Science. À en croire une récente étude menée par l'Université de Géorgie, 275 millions de tonnes de déchets plastiques sont produits chaque année. Sur ces 275 millions, 32 millions sont des déchets qui restent à terre alors que 8 millions de tonnes polluent les océans. Un problème environnemental majeur pour notre planète. Une solution à ce problème pourrait venir de cette plante, le chardon. Ici, dans le nord de la Sardaigne, le chardon est cultivé pour produire des huiles nécessaires à la production de bioplastique. Dans le cadre d'un projet européen baptisé First to Run, les sociétés Novamont et Versalis ont créé Matrica, une joint venture dont le but est de produire des plastiques biodégradables et recyclables. Les graines des chardons sont la matière première de ces plastiques propres. Michele Facce est le responsable du secteur agricole de Novamont. Ces cultures de chardons sont-elles faites sur des terrains agricoles ? Non, nous n'utilisons pas de terrains agricoles. Nous essayons de mettre en valeur des terrains que l'agriculture a perdus. Dans cette région de la Sardaigne, près de 60 000 hectares ont été abandonnés en 30 ans. Ici, on essaye de récupérer 3 à 4% de ces terres grâce au chardon qui est tout à fait adapté au climat méditerranéen. Il n'a pas besoin d'être arrosé, les précipitations suffisent. Cette usine n'utilise aucun solvant chimique. Toutes les réactions sont obtenues avec de l'eau, de l'air et du peroxyde d'hydrogène. Aucun produit toxique. C'est dans ces machines que les acides sont produits et stockés. La transformation de l'huile végétale en acide destiné au bioplastique se déroule dans ces quatre réacteurs. L'huile est introduite dans le premier réacteur et sort du quatrième sous forme d'acide prêt à être transformé en bioplastique. Tout le processus est supervisé dans cette salle de contrôle. Les techniciens vérifient le bon fonctionnement des machines, l'étanchéité des valves et la pression dans les tubes. Tout est digitalisé et enregistré. Dans ce laboratoire, les chercheurs analysent et vérifient la qualité de l'huile végétale et des produits transformés. De nouvelles méthodes de production sont en permanence étudiées dans ce laboratoire avant d'être testées grandeur nature. C'est un procédé complètement unique et nouveau qui transforme l'huile végétale sans utiliser de gaz toxiques comme l'ozone. À partir de l'huile végétale, on obtient un acide qui est la matière première essentielle pour les bioplastiques qui sont utilisés par exemple pour faire les sacs pour les magasins. On obtient aussi un autre acide qui peut être utilisé comme herbicide propre. Ou alors en remplaçant d'autres molécules plus toxiques. Cela peut être transformé en lubrifiant ou en cosmétique propre sans huile de palme. Et puis, il y a un autre produit qui peut être utilisé dans la production de pneus en remplaçant les huiles minérales qui sont toxiques et cancérigènes. La société produit également un lubrifiant bio pour bateaux qui est non polluant et se dissout dans l'eau de mer. Un avantage conséquent lorsque l'on sait que 3 millions de tonnes de lubrifiants tirés du pétrole sont rejetés en mer chaque année. Les bioplastiques produits en Sardaigne sont pour l'instant plus chers que les produits identiques contenant des hydrocarbures. En revanche, les bioplastiques n'engendrent aucun frais de recyclage. Les lubrifiants se dissolvent dans l'eau et dans la terre, les sacs se transforment en fertilisants.